MM Simulator, on se retrouve pour cette petite vidéo sur Euro Truck 2. Euro Truck 2, donc cette fois-ci, c'est la dernière vidéo que je fais pour présenter ce. Excusez-moi. Peut-être un peu vulgaire, mais là, franchement, ça commence à me prendre le chou. C'est la troisième vidéo que je fais. Hein, c'était quoi la première fois? Il y a eu une crasse une fois il y a une crasse, je sais plus où. Une deuxième fois il y a une autre crasse. Une fois c'est moi, une fois c'est elle, et une fois c'est personne. Et en gros ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une fois. En gros, j'ai vraiment ma claque de refaire cette vidéo. C'est la troisième fois que je la refais. Une fois... Attends. Ah non. Deux fois la caméra et une fois moi et l'ordinateur en fait. Parce qu'en gros, je vous explique. La première fois, bon, la caméra a bugué. Je veux bien. Deuxième fois... Deuxième fois, donc la caméra bien sûr a plus de batterie, c'est étonnant, mais je m'en doutais. Donc, c'est vrai que j'aurais pu la mettre à charger, hein, mais non, bien sûr. Hein. Et puis, la troisième fois, je me suis rendu compte que en fait, c'était avant que la caméra n'ait plus de batterie, mais comment dire, en gros, ça me fait vraiment chier. Je passe une journée et quand je. L'année 2015 est presque pire que celle de 2014. Franchement, ça me casse. Voilà. Pas de faire des vidéos sur YouTube, c'est même pas ça, parce que franchement, j'adore faire des vidéos sur YouTube, c'est pas ça le problème. C'est que tu passes 3 quarts d'heure pour faire une vidéo qu'il faudrait même pas un quart d'heure à faire. C'est énorme quand même, d'abnamier. Je veux bien avoir des fois quelques ennuis et tout. Mais je pense que je passe beaucoup trop de temps à filmer et tout le bazar. Parce que c'est vrai que bon, je cherche souvent des trucs assez intéressants. Le nombre de fois, bon, c'est vrai que c'est pas toujours, mais ça arrive souvent quand même. Le nombre de fois où je dois refaire mes vidéos parce que je trouve ça moche ou parce que je trouve pas ça correct. Voilà, il y a un truc qui va pas. Voilà. C'est comme Salt, c'est un peu, je vais pas vous le dire, mais c'est un jeu que je vais vous présenter dans les semaines à venir, donc certainement la semaine prochaine, lundi prochain. Sur ce, et ben, j'avais déjà fait une vidéo. La vidéo, bon, c'est vrai que j'ai un peu prévu le coup, parce que déjà je l'avais fait sans la face commentary. Parce que justement, je pensais qu'il fallait que je m'adapte à mon nouveau logiciel de montage. Et donc voilà. Et là, cette fois, par rapport à la fois précédente, je n'ai pas réparé mon camion. En gros, mon camion a 8% de dégâts. Et là, en gros, on fait du Strasbourg-Strasbourg. Et on transporte quoi déjà? Parce que je ne sais même pas. De l'essence, c'est génial, au moins, comme si on tombe en panne d'essence. On aura de quoi s'en remettre. Non, je connais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment là, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. C'est le troisième convoi que je fais. J'ai perdu presque une heure et demie. Presque avec celle-là, ça fera une heure et demie pour faire une vidéo. Une seule vidéo qui durera bien pour l'instant. Parce qu'après, il faut penser aux 4 ans de montage. Il faut penser après à l'heure et demie qui est bientôt terminée parce que bientôt je vais avoir la fibre. Mais au 1h30 de mise en ligne. Donc ça fait une demi-journée. Ou presque. Non, un quart de jour. Je passe un quart de jour à mettre une vidéo sur YouTube. Je veux bien être gentil, mais quand même, faut pas abuser. Là, dans quelques jours maintenant, je vais pouvoir les mettre vachement plus vite. Donc voilà. C'est ça que. Voilà. Je vais pas dire autre chose.
Mais les résultats sont là, quoi. Quand on voit le truc qui... Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais... voilà. Franchement, je suis vanné, je suis fatigué de toujours avoir un problème, un pépin. Quand tu tournes une vidéo, bah voilà, t'as un problème, ok. Et puis après, t'as un autre problème qui vient te faire encore chier. Bah bien sûr! Allez, comme si j'en avais pas assez dans ma vie quotidienne. Allez, venez. Vous voyez, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais... voilà, moi c'est... C'est ça, c'est... Ça commence vraiment à m'énerver. Mais bon, on va pas non plus... sauter du haut d'un pont juste pour ça, quoi. Donc voilà. Mais aussi, je voulais vous parler d'une autre petite chose. C'était le retour de l'Odyssée qui devrait revenir d'ici 3 ou 4 semaines. Voire peut-être un mois et demi. Je sais pas trop encore. Faut que je mette tout ça au point comme il faut. Voir avec mon confrère. Donc King Kong Simulator, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ou de me contacter sur Facebook. Pour me dire comment tu veux faire la chose, si je parle pas des trucs voilà, comment tu veux gérer ça, si tu veux en faire partie ou pas. Après on verra, si après on peut essayer de faire ça en duplex et tout ou pas, si ça marche. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire ça assez bien ou pas du tout. Totalement naze. Et donc voilà, parce que là moi je suis vraiment dans la merde dans ma vie quotidienne et dans ma vie pour l'instant YouTube, parce que c'est vrai que là aujourd'hui je passe une journée de pour le tournage de mes vidéos, en tout cas parce que là j'ai passé une heure et demie à tourner alors qu'une demi-heure a été largement suffisante. Donc en plus voilà, en gros ça, en ce moment ça m'arrivait pas du tout, mais ma caméra bug et tout, j'étais super content et tout, je me dis tout va à peu près bien, et puis aujourd'hui, bah bizarrement il n'y a rien qui va. Voilà. Je me plains pas, mais quand même voilà, aujourd'hui là tout le monde c'est juste là. Je sais pas, j'ai l'impression que le monde est contre moi, que l'univers est contre moi, et là ça aide. C'est la goutte quand même qui fait déborder le vase. Donc voilà. Et vraiment. Voilà, je veux pas dire que c'est de la faute des autres, je veux pas dire que c'est de ma faute, je veux pas, voilà, c'est sur moi que je me plains, mais et aussi un peu sur les autres, mais franchement là voilà, j'ai besoin de me lâcher, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube, c'est pour ça que voilà, pour dire ce que j'ai à dire, pour voilà parler librement. Voilà, c'est ça, de toute façon c'est ça la France aussi, c'est parler librement, c'est putain, j'ai peur d'oublier tout ça là, on est double, on s'en fout, on est des fifous. Donc voilà, franchement c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour parler librement, pour avoir une voix qui se fasse entendre autant que les autres. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment Depuis 2015, j'ai pas de chance, j'ai que qui m'arrive encore plus qu'avant. Et ça, moi, je dis clairement, toujours des problèmes, des machins, des ceci, des cela. Voilà, ça, j'aimerais bien pour une fois, pendant un mois ou deux, que tout se passe bien, que je puisse faire ce que je veux. Et ben, manque de peau, c'est pas possible. Voilà. Et ça m'énerve, voilà, aussi. Donc voilà, je me plains un peu, c'est une chose de se plaindre, mais là je me plains, même si voilà, je sais que par rapport à des petits Somaliens ou des petits machins, des personnes en Afrique ou tout, moi ils vont penser que j'ai une vie de rêve ou presque, mais voilà, pour moi, en tant que Français, en tant que pays un peu riche, on va dire, je me trouve pas chanceux, peut-être pas pauvre, malheureux, même si c'est le cas,
Je me trouve, voilà, dans le fond, je suis malheureux. C'est ça. Mais je dirais pas forcément ça comme ça, mais dans le fond, c'est ça. Je suis malheureux, mais mon malheur ne se voit pas forcément toujours. C'est ça le truc, et c'est ça qui m'énerve aussi. Oula, je sais pas si vous avez vu ça aussi. Le plot qu'il y a à la sortie là, de l'autoroute, si vous avez vu comme moi qu'il a été téléporté, en gros, on va dire, il a apparu d'un coup, quoi. Ça arrive pas souvent, ça. Bah, je sais pas, ça m'est jamais arrivé en fait. Ah merde, faut que je ressorte au prochain. Donc voilà, après, pas, je me plains pas forcément. Ben, si, je me plains. Mais là, je me plains de pas avoir de chance, quoi. Parce que tourner 3 fois la même vidéo, c'est un p*** quand même. C'est chiant. Parce que une fois, t'as la caméra qui bug en plein milieu, t'es obligé de l'éteindre par des moyens qui sont pas très conventionnels. La deuxième fois, t'es obligé de passer aussi, de devoir... rallumer la caméra parce qu'il n'y a plus de batterie dedans et de devoir machin et voilà. Et à la fin, en gros, t'as limite des fois plus envie de faire des vidéos. Quand tu vois ça, que t'es obligé de passer 1h30, non, ça fait 1h15 pour l'instant que je tourne. Alors que d'habitude, je passe une demi-heure, c'est presque fini. Voilà. Voilà. Après, il y a des trucs où ça me gêne pas trop de faire des vidéos longues. Par exemple, farming. Ou mais c'est rare quand je fais, ou des fois Euro Truck quand vraiment ça bug pas, mais c'est rare en fait depuis que je fais de la facecam que je fasse des vidéos vraiment d'une heure et tout, à part peut-être sur Farming Simulator. Je l'ai fait une fois, je crois, il me semble bien que je l'ai fait une fois, et j'ai pas vraiment envie de continuer à faire des grosses vidéos comme ça de 1h30 et tout. Mais c'est vrai que voilà, en ce moment, je sais pas ce que j'ai la poisse, voilà, j'aimerais bien gagner au loto, mais c'est pas possible, voilà, parce que déjà je joue pas. Mais j'y ai joué au début quand j'avais 18 ans, j'avais les moyens et tout. Voilà, j'y ai joué un peu, et puis après, voilà, après j'ai arrêté. J'ai fait une ou deux fois, on va dire, maximum, parce que voilà, quand t'es jeune, tu veux essayer de faire des trucs que tu peux faire maintenant. Voilà, et quand tu étais jeune, ben voilà, tu joues au loto, tu bois un peu. Non, tu fais pas. Par contre, ça, j'ai jamais fait, j'ai pas vraiment envie de faire. Voilà, on va pas dire que j'étais un grand buveur à l'époque, hein, je le suis toujours pas. Mais j'ai quand même, on va dire, goûté un peu l'alcool. Restons sérieux, mais c'est vrai. Voilà. On va dire que j'ai goûté. J'ai bu un peu, pas comme un trou, hein. Je buvais pas comme un trou du tout. Quand je buvais, voilà, on va dire que c'était peut-être une bière et puis c'est fini. Mais bon, c'est vrai que c'était pas au moment où il fallait boire. Pas forcément en tout cas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a des choses où j'ai. Comme je vous dis, tout à l'heure, la première vidéo, j'étais en train de dormir littéralement. Mon personnage était en train de dormir littéralement pendant que moi je conduisais. Là ça va être peut-être encore pareil, je sais pas. Parce que en gros, la première vidéo il dormait sur la route, la deuxième, là c'est non, il n'a pas dormi, mais là la troisième, il y a de grandes chances que ça arrive. Voilà, et c'est vraiment dommage pour moi, mais ça va pas arriver, je pense. Non, je pense que je vais arriver avant, on verra bien. Ah bah il commence déjà à être fatigué, dis donc. Putain, mais ça baisse vite leur merde. Donc voilà, moi après je vais pas forcément me plaindre. C'est pas. Je me plains envers moi-même et envers. Parce que je dis pas, ma caméra, franchement, je la trouve super bien. Elle a des atouts que aucune caméra n'a, on va dire. Parce que. Qu'est-ce que je peux dire par là ?
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en gros, sur cette caméra, franchement, elle fait des vidéos d'une qualité extraordinaire, de la 1080p et tout. Tu peux faire des vidéos de 50 minutes sans que ce soit trop gênant. Si j'ai la bonne carte micro SD, non, SD tout court, pas micro. Si j'ai une bonne carte SD, je peux faire des vidéos d'une heure et demie sans avoir de coupure, sans être gêné. Alors que, d'après ce que j'ai vu, par exemple, Galaxy, lui, il a une caméra qui est bien, mais ça ne lui plaît pas en fait. Voilà, je n'ai pas aussi bien que celle-là. Je dis pas qu'il a acheté une caméra pourrie, qu'il n'a pas fait des affaires. Mais quand tu vois que lui, il a payé 100 € pour avoir une caméra qui fait même pas plus d'une demi-heure de vidéo, la mienne, elle fait presque une heure de vidéo sans s'arrêter, et elle bug pas. Ouais, parce qu'elle peut faire, il me semble, je crois que j'ai fait maximum 56 minutes, je crois, avec 56 ou 58 minutes de vidéo avec cette caméra. Et c'est vrai qu'elle s'en sortait plutôt bien. Et c'est ça que j'aime dans cette caméra, c'est qu'elle se sort plutôt bien. En plus, je fais de la bonne qualité avec, hein, parce que c'est de la 1080p, c'est pas de la merde. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas de la merde. Et je l'ai pas payé cher. Quand on voit que je l'ai payé que 30 €, tu fais ouais, ben c'est bien. Très bien. Franchement, là, t'as touché le jackpot avec celle-là de caméra. Donc voilà. Après, moi je dis pas, mais là voilà, j'ai fait une bonne affaire, je suis content. Moi je ne vais pas non plus. Mais il y a quand même quelques défauts. C'est la batterie. Bon, il pleut. On va terminer sous la pluie peut-être. Donc, et en plus, on va terminer en train de dormir aussi. Voilà, c'est fait. Je sais que t'es fatigué, idiot. De toute façon, t'es toujours fatigué. Attends, au bout de 10 heures, le 10 heures, il passe tellement vite que. En plus, c'est vrai que ça fait 10 heures. Donc voilà. Après, c'est vrai que je me plains envers moi-même. Je me plains de beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça changera rien. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai besoin de me plaindre. Parce que si je me plains pas, ça, je vais m'énerver en fait. Je vais râler, je vais voilà. Même si voilà, il n'y a personne qui m'écoute. C'est largement suffisant. Parce que sinon, je pense que tous les trous. Il y aurait des trous de partout. Partout, en fait, dans tous les murs et tout. Voilà. Parce que, justement, là, vraiment, en ce moment. J'ai mis tête. Putain, mais c'est pas possible, bordel. En ce moment, je trouve que je n'ai aucune chance. Je n'ai pas de chance, franchement. Je dis pas que. Voilà, mais. Je trouve tout simplement que j'ai pas. Voilà, en gros, je suis, comme vous le savez peut-être, à la recherche d'un travail. Dans le domaine qui. Parce que, en gros, voilà, YouTube c'est bien, mais ça rapporte pas d'argent. Et j'ai besoin d'argent, hein. Donc, je cherche un peu du travail. Et c'est vraiment très énervant quand t'envoies un email à un employeur et qu'il te répond pas, par exemple. Ou d'autres trucs dans le genre là, c'est vraiment rabaissant déjà et j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de tout ça moi. Je me fais déjà assez rabaisser chez moi, j'en ai pas besoin qu'on me dise. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce qu'après voilà, moi ça me ferait pas plaisir déjà de vous en dire plus parce que c'est ma vie personnelle, je vais pas, voilà, mais quand même, je sais pas, faut pas abuser non plus, quoi, pour dire ce qui se passe, quoi. Moi, je voilà. Je vais pas, je sais pas comment dire ça. Bon, pas envie de me garer en fait. Je suis tellement. Donc voilà. Donc, excellent. Pas de dégâts cette fois.
Bon, donc vous n'avez pas tout vu. Là, vous avez tout vu, mais je vous ai pas forcément tout montré. Donc voilà, je vous ai pas. Je vais pas montrer le créneau aujourd'hui. J'en ai fait deux déjà. Mais là, je suis vraiment vénère en fait par rapport à ça justement. Je sais que je suis fatigué, idiot. Donc voilà, on va aller faire la petite sieste qui demande parce que sinon. Et après, on va regarder un peu ce très joli camion. Donc d'ailleurs, je crois que je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est un Kenworth W900 à flat, je sais pas quoi. Flat Widow ou flat machin chaud. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît ou que ça vous a plu. C'est vrai que je me suis vraiment donné à fond. Et je me donne toujours à fond. Quand je fais une vidéo, j'essaye de me donner à fond. Et Ok. Donc voilà. Quand je fais quelque chose, je me donne à fond pour m'en donner les possibilités. Donc voilà. Après, franchement, là. Enfin, maintenant, il fait nuit. C'est cool ça. Donc maintenant, j'ai plus de pression d'air en plus. Putain, mais. Ça, c'est souvent le cas. C'est vrai que là je suis pas trop dans avec vous parce que c'est vrai que là je suis vraiment vénère et tout, mais bon. Bon voilà, ça marche. Donc on va aller regarder un petit peu ce camtar, ce camion, parce que c'est vrai qu'il est plus ou moins joli. Dans la nuit ça fait pas tout à fait le même effet. Donc voilà. Dans la nuit, ce qui rend, je sais pas si vous avez bien vu, bon, en haut, on voit rien. Derrière, il y a une petite, ah, il y a un truc là. Une maman. Okay. Donc là, on peut déjà retirer les essuie-glaces et regarder dehors. Donc voilà, nous avons un truc tout basique et tout. Je l'ai pas vu de nuit non plus comme ça. Donc on a, on a pas mal de choix. On peut choisir le. Pare-choc avant, on peut choisir pas mal de choses, même à l'arrière et tout. Donc voilà, on a une paire de roues avant et arrière qui sont proposées avec ce pack là, donc qui s'appelle American Truck, je sais plus trop quoi. Et dedans, il y a plusieurs camions américains, des Kenworth, des comment ça s'appelle, des Mack, je crois. Non, il n'y a pas de Mack. Parce qu'en plus je crois que Max est britannique, il me semble. Ou je sais pas trop quoi, je sais plus trop. Donc il y a des Kenworth, des Peterbilt, il me semble, il y en a un ou deux. Et donc je vous les présenterai tous. Plus ou moins un certain temps. Donc voilà. Là j'espère franchement qu'il n'y a plus de cochonneries. Parce que là, ça va me vénère. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer un bon moment. Si moi j'en passe pas, pourquoi vous en passerez pas, hein? Vous pourriez ne pas en passer. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou j'aime pas. Ou à ajouter à vos favoris, vous abonner, etc. Donc voilà, je vous force pas. Mais sachez que... Si vous êtes abonné et que vous cherchez quelque chose et que je ne vous le procure pas pour l'instant, demandez-moi et je le ferai. Là, je ferai un maximum pour que ce soit au top, le meilleur possible. Et là, après, bon, alors on va faire du mieux possible pour avoir un truc de qualité et au top niveau. Donc, je vous dis à plus et au prochain hebdo. Ciao !